comme a si bien dit en introduction notre frère, je ne veux pas répéter pour dire je vous souhaite la bienvenue. Le thème est beaucoup de recherches, des témoignages récoltés de part et d'autre pour pouvoir marquer d'un saut l'histoire de notre village. Donc je ne veux pas m'attarder. Le plan de la conférence se compose en plusieurs petits paragraphes. Je vais m'excuser d'avoir du retard. Le retard est dû au problème technique parce que je voudrais afficher les paroles avec les écrits sur l'écran. Mais ça a été réglé et on va le faire tout à l'heure. Donc, parler de l'histoire du village Bamedjou, c'est parler de l'histoire des Bamileke. On ne saurait parler de Bamedjou sans parler des Bamileke. Donc, nous allons parler, dans un premier temps, je vais parler brièvement des Bamileke, pour ensuite arriver au village Bamedjou, sa situation géographique, son histoire, et Bamedjou géopolitique, le parler Bamedjou. Et ensuite, nous allons assister pendant une heure ou 45 minutes à une projection sur les difficultés du développement. C'est un DVD qui vient tout droit du Cameroun. Nous allons le suivre et à la fin, pour marquer une pause, nous avons notre association sœur, les Bamena, association que nous avons besoin de faire. D'abord, je vous remercie pour votre vécu. Aussi, au risque de me tromper, toute histoire a une interprétation différente selon la source ou selon les recherches qui ont abouti à cela. Donc avant de parler de l'histoire de Bamedjou, comme je disais tantôt, et de la problématique de son développement socioculturel le plus important du Cameroun, dont les Bamileke représentent aujourd'hui un très grand nombre de dialectes répartis sur une centaine de petits royaumes. Du commerce, c'est pour qualifier les Bamileke, on parle toujours des commerçants. Enfin, le peuple Bamileke est fortement attaché à ses racines. Il respecte et entretient les traditions ancestrales. Personne ne dira le contraire. Et constitue un peuple paradoxal et surprenant. Pourquoi? Parce qu'il est individualiste. Le pays Bamileke est composé de départements. C'est pourquoi j'ai dit je vais d'abord parler des Bamileke afin d'arriver à Bamedjou. C'est tout à fait logique. Donc, le pays Bamileke est composé de départements du Haut-Kam, du Ndé, du Haut-Plateau, du Mifi, du Haut-Ki, de la Menoua et de Bambotos. Donc, 80% des villages électrifiés. Sur la situation historique, si on veut parler des informateurs que j'ai pu avoir, le chef Bamedjou et le chef Bamboum, nous racontent que les chassés par ceux-ci, ils refusent de se soumettre, ils se retrouvent bien, ils se retrouvent à l'adaptateur. Et avant de mourir, dans cette législature, qui sont les futurs fondateurs du village d'Ansoa, qui ont fait partie aussi du cercle de l'Omba, qui est une composante de la Bamileke, a été créé par l'un des fils Bamedjou, qui était un malheureux guerrier et qui a le parrain du village Bafunda, puisque le chef Bafunda est venu de Bamedjou. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à me souvenir dans mon exposé. Donc, pour ce qui concerne la géographie de Bamedjou, Bamedjou est situé à une quinzaine de kilomètres de Bafoussam et à une dizaine de kilomètres du Carrefour Bati. Le reboisement devenu nécessaire se fait actuellement au moins d'un petit de l'agriculture bien adapté au climat local. À ça, Bamedjou, si vous, en dehors du café, nos parents se sont habitués à la culture, je peux dire à la plantation des eucalyptus, parce qu'on les utilise pour les charpentes, pour avoir de la planche, etc. On a une conférence. Pour l'histoire de Bamedjou, l'histoire de Bamedjou, c'est une circonscription. Son frère, il est bien que le pouvoir décide donc de fuir en Bamedjou et dans le point rouge que vous trouvez. C'est pourquoi on a Bamedjou. Si on veut le résumer ici, Bamedjou est limitrophe ici par Baham. Nous avons aussi avant Baham. De ce côté, nous avons Bawan, Baham, nous avons Batier. Nous avons Fotouni, Bangam, Bansoa et Bamika. Voilà les villages qui entourent le village Bamedjou. Donc si je veux me résumer, je veux dire
Au sud de Bamenjou, elle est limitrophe de Koukouman-Baté. Au nord, Koukouman-Bansoua et Bameka. Et à l'est, par les Koukouman-Bawang, on a... Bon, à l'heure d'aujourd'hui, d'après le fichier électoral qui a été, que j'ai contacté Télécam, ils m'ont dit que ça n'avait pas évolué, ce qui est bizarre depuis 1987. Donc, il y a eu une semaine de pluie de mi-mars à septembre. Les pluies sont généralement abondantes et discontinues. Bon, selon ça, je vais faire une culture pratiquée. On a retrouvé la ferme des toits en conique, en tol ondulé ou en dans notre village. Bon, comme le site touristique, quelques rivières traversent notre région. Et c'est aussi des sites touristiques où beaucoup s'y rendent en dehors du musée qui est au Palais Royal. Il y a le Mubi qui est à l'actif. On a le Mubi de Saint-Anne. Nous avons le Contaté. Bon, l'histoire de Contaté tombe à la vision. De part et d'autre dans la région accidentée contient dans leur lit des rochers. On rencontre aussi des chutes, mais pas les navigables. Par exemple, en Chunta, il y a quand même une chute qui fait vraiment ça. Ça fait un bon. Donc, dans tous les quartiers que composent la Mubi, nous sommes des quartiers, mais des villages. Donc c'est pour ça que nous disons, depuis le début, dans le tout est devenu un document avec un certain nombre. C'est pourquoi nous parlons du pouvoir sur le groupe. On dit que le chef sur le groupe. Nous parlons du pouvoir et dans le groupe. Donc, entre autres, les quartiers que nous pouvons citer et qui concernent le village, nous avons dans Toké, Duba, Onkel, Lati, Kam, Boum, Tunda, Nepierre, Koumi, Chungang. Chang, Meja, Tungon, Chou. Et on va. On en sort de la question. Donc, le Chou, si on veut traduire, ça veut dire petit malheur. Donc, Bamenjou, c'est le village de petit malheur, si on peut expliquer comme ça. Mais le nom était venu donc. Quand Bamenjou, Mienjou signifie les gens de petit malheur. Nom donné par un président souvent, mais bon, ça c'est un peu plus. Le parler Bamenjou est une variété de langue comme ça. Et quand je parle de Goma tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai évoqué le village Bafunda. Parce que le parler Bamenjou reflète donc la langue Goma. La langue Goma, c'est la langue des cinq villages. Bamungum, Bamswa, Bameka, Bamenjou et Bafunda. C'est la langue de la première, une des compréhensions spontanées, c'est que l'on est dû au prélat dans la langue Nagoro. Il n'y a pas un nom ensemble pour désigner le parler Bamenjou. Donc, justement, de parler parmi tous les autres problèmes dans leur vie, mais à ce moment très peu de continuant de leur utiliser de parler comme moyen d'intercommunication familiale. L'usage de se parler s'accomplit en mots de jour en jour. Pourquoi? Parce que, en dehors du docteur Tamasin, qui avait initié de pouvoir créer la langue comme Goma et qui a prédiqué des choses, la bouteille par exemple, on vous contra, oui, d'après. Si vous allez à Bansoa, à Bameka, n'importe où, on vous dira la même chose. Parce que c'est le parler en regard, donc c'est le parler de Bamenjou qui reflète le regard de Bamenjou. Pour parler des symboles traditionnels, monsieur. Pour qu'est-ce qu'il y a de Bamenjou, quoi, en fait, ta souvenir, c'est son secret de voyage. Cette année, c'est ce qu'il y a de Bamenjou. Là, il y a des parents qui ont fait la paix. Il y a un jour, 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 on a aussi le Mungo, très en vert par une certaine époque. Généralement, le Mungo est une entrée animée qui se pratique dans tous les soirs dans une période bien déterminée. Ça, je parle du Mungo le Kame. Donc, comme le chef a suivi par le fond lui-même, pendant 4 semaines, des petits villages qui étaient comme des chefferies. Mais il y a eu un village qui était exceptionnel, le village Bamea, qui a préféré garder ses traditions, ses coutumes à elle seule. Donc notamment, les cérémonies de jumeaux faites à Bamea, la cérémonie faite à Bamenjou n'est pas la même qui est faite dans le village Bamea. Donc ils ont leur aussi, leurs conditions de vie, leurs coutumes, etc. Ça c'était la conclusion. Les destructions de bataille, c'était en attendant de la paix. On l'exécute le jour où on fait les funérailles et on tient la main du successeur et il est cagoulé. Il ne s'habille pas comme les autres. Mais on lui dit Bamoun devait remonter vers le nord-ouest. Le chef avait reçu, à Bamoun, nous avons reçu une délégation qui venait du nord-ouest. Parce que nous avons les mêmes traditions. C'est pourquoi l'habit de Ndom, le nom vient du nord-ouest, par contre, le Saint-Domingue.
quelque chose qui vient du Nord-Ouest. Bon, la chefferie concerne aussi, comme je disais, c'est l'occasion pour le système de l'exécuter pour la première fois. Il ne porte pas de capot et souvent couvert d'un tissu donc, pendant l'exécution de la danse. Donc, passons à l'initié et plus tard, il pourra mettre sa capot ou la capot de son père qui succède. La chefferie, c'est la problématique du village d'Amédio. Et c'était vraiment l'objectif de notre semaine culturelle ici en Belgique, de pouvoir faire cette semaine culturelle, lever les fonds, essayer de participer à un projet de développement du village. Donc, toute votre contribution est la bienvenue pour pouvoir aider le village d'Amédio. À travers l'instrument du comité de développement, comme je l'ai dit, par le chef d'Amédio. Je veux rappeler aussi que sur le plan de développement, Bamadjou est toujours en retard parce que nous n'avons pas. Il suffit de contrôler la route Bamadjou, Bafoussa, conçue par les parents de Bamadjou. L'administration n'a pas encore conçu cette route qui est sur l'accès de Bamadjou. Elle reste en terre battue. La sous-préfecture est toujours en terre battue. Les premiers pour cette semaine culturelle de lever un peu de fonds pour pouvoir aider vraiment cette population qui a besoin de développement. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur tout ce qui concerne porter beaucoup d'explications, mais je vous remercie de fond du cœur pour votre aimable attention. Merci. Je payais autour de 9 ou 3 000 livres.
Mais aujourd'hui, quand on est tous les jours au bout, ça grille les gens. Non, c'est quelque chose de soi. Mais nous avons appris comme de vrai, du tout là. C'est même que ça comme le temps du gouvernement. Je pense que c'est plusieurs années qu'on nous promet cela. Oui. Mais cette fois-ci, on n'est pas sûr. Si on n'est pas sûr que c'est la troisième fois, c'est la troisième fois qu'on nous promet comme ça. Nous allons changer un peu d'aspect. Nous allons rentrer dans la culture proprement dite, mais c'est ici, parce que c'est sous une autre forme. Je vais comme ça inviter déjà les femmes d'Amena. Votre attention, s'il vous plaît. Actuelle, qui serait source de freinage du développement familial pour nos parents, nos ancêtres.
l'administration, après avoir érigé la gendarmerie est encore en guerre là-dessus. La gendarmerie ouvre le marché pour nous prendre. C'est nos parents qui ont piétiné la tête et pris pour la ressource. Le bâtiment qui a pris la source jusqu'à l'heure actuelle, ça a été conçu dans sa terre là-dessus. Il y a la résidence qui souffre qui a été conçue en parallèle. Et ce comité devait rassembler tout, disons, pour limiter tout ce que nous avons dans le Cameroun à travers des comités de développement locaux pour pouvoir participer au développement. Notamment la post-stabilité, lorsque dans les élèves, ils estiment que les mamitions ont mis pour le qui. Quelqu'un qui avait proposé une plateforme de développement. J'avais donc. Et nous rappelons aussi que le maire de la région est déjà difficile. Et que moi personnellement, je crois que le problème des Bamijou, c'est entre les enfants de Bamijou et non le chef de Bamijou. L'année qui n'est pas paix, donc là, tous les ans qui sont impairs sont des années de bonheur au village. Et à l'occasion du 50e anniversaire de son grand-père, c'est le chef Djoko. Il a repris, donc il a dit, mon nom officiel, c'est le prince chef Djoko. Bon, pour revenir à la question que pose ma soeur, je pense que nous devons regarder tous les angles. Parce que si on veut parler du développement, on veut parler de la sécurité à travers le Cameroun, l'Afrique ou bien le monde. Il a dit, bon, autant mieux transformer ça qu'il n'y a pas l'occasion de visiter le Mazali, le seul qui a associé à Domini, en tant que personne de Gabriel, un mardi, qui est mort au monde d'un mardi, parce qu'il avait donné sa vie pour sauver un prêtre. L'histoire de Gabriel Sau. C'est un mardi, et le chef a été reçu en 1986. Par le pape Francis qui a canonisé ce Gabriel. Et donc, le chef Ramadou, au regard des faits réels, que les, je ne voudrais pas que c'est sûr, parce que c'est un autre génératif, mais que ses frères amitiés et Ramadou peuvent lui reprocher. Je pense qu'il est honnête et sincère de ressentir des faits d'un chef et de le ressortir quand on a des occasions comme celle-ci. C'est une réunion d'environnement. Et si les gens ne peuvent pas dire, bon, on pense que le chef, à un certain moment, pose des actes qui peuvent soit être des obstacles ou alors des facteurs freinants pour le développement de Mamadou, ce n'est pas donné. Si tu es développement de Bamadou, sortant du contexte du village, tous les autres villages et environnements souffrent du même problème. Ce qui fait que Bamadou peut faire justement le moteur. On peut développer Bamadou et peut-être les autres villages. À Bamadou, si nous voulons nous en tant que Bamadou, développer Bamadou seul, quels sont les facteurs qui sont propres à Bamadou qui peuvent être exceptionnels au village? Par rapport au village Bamadou, ces malheurs-là, quels sont les supports que nous avons pour pouvoir les vendre, pour pouvoir les véhiculer? Je pense que nous pouvons demander aujourd'hui, quand on regarde les rues, les bâtiments laissés par, je ne veux pas dire les ancêtres, mais par une génération très 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 lointaine qui s'est sacrifiée pour bâtir. C'est lui qui aujourd'hui, on était du développement du village, en toute sincérité, quel est le frère Bamadou? Pourquoi les élus Bamadou ne se veulent-ils pas, comme un seul homme, penser au bien-être de leur village? Je pense qu'il y a une réponse réelle, soit on la cache, ou alors nous allons avoir une émotion de réponse. Le début, la dernière partie de la question, est-ce que Bamadou peut vivre à travers les livres Bamadou de Bruxelles? Si oui, qu'est-ce qu'elle a de... Ce n'est pas dit que je n'ai pas tout compris. Donc, quelle est la place de l'élite Bamadou? Est-ce que l'élite Bamadou pense à son village?
Et la dernière que j'ai retenue et qui m'a beaucoup touché, c'est qu'est-ce que les villes Bamidjou pensent, surtout les Bamidjou, la diaspora, ceux de Bruxelles qui organisent cet événement. Je pense qu'en ce sens que vous voulez aborder. Je vais commencer par la dernière en disant que ça rejoint la première question qu'on vient de poser. Si les élites, si la diaspora se mobilise, j'ai bien dit dans mon exposé que pour avoir un outil de développement, le chef Bamidjou avait créé le groupe Bénéry. Le CG avait été érigé en lycée, en CES à son époque. Le comité de développement a construit les deux premiers bâtiments. Donc avec l'argent collecté de tous les Bamidjou du Cameroun, sans pouvoir demander l'aide extérieure. Deuxièmement, comme dans votre question, vous parlez de qu'est-ce que des supports exceptionnels. Actuellement, les Bamidjou, chaque Bamidjou cherche à se développer soi-même en passant par son village. Je vous ai dit depuis 2000, nous ne parlons pas de quartier à Bamidjou. Il y a un hôpital à l'heure actuelle. Et ça, c'est l'initiative personnelle de Bamidjou qui a voulu le faire, mais qui a pris soin de passer par le développement, qui est l'organe central qui analyse tous les projets. Moi, par exemple, je suis de Juba. Si demain je veux construire une école, disons une crèche peut-être à Juba, je vais demander au comité de développement. Dans le cadre du comité de développement, nous avons eu à réaliser l'acte. Donc c'est pour ça qu'on avait priorité à désenclaver en matière de santé les villages qui sont plus éloignés. Et c'est pour ça qu'avec l'aide des Allemands, nous avons sollicité l'aide des Allemands pour la construction de l'hôpital à Bamidjou. Donc c'est l'occasion pour moi, comme a dit le président, de vous les présenter. Donc à la droite du président devant vous, c'est King Godefroy que je vous présente. Le maître. Et à la droite de maître Guigou de Franck, c'est Tantan 2. Merci de l'émission de prendre les négatifs. Je crois que tous les grands, on commence déjà à prendre conscience sur nous. C'est que je suis même subi. Quand je me trouve quelque part, demain, c'est tard. Tous les artistes angolais sont les plus bas de l'OCDE. Mais par contre, ils sont la grande. Guigou de Franck n'est pas un petit. C'est un artiste qui fait son travail vraiment très très bien. Il est très bien, il fait son travail. Tantan 2, il est là avec vous. Là, je vous j'artiste comme les doigts motivent les artistes. Comme les Yaoundé motivent les divorces. Et c'est grâce au Yaoundé. On voit tout ça, on a fait ça. Ça ne sert à rien de chanter le prix, ils vont partir pour rien. Donc avant qu'il ne parle, s'il y a possibilité, je suis un grand merci pour cet encouragement de monsieur Gento, Gento de Liège. Merci beaucoup. La chute, le couteau. J'ai cité par exemple le couteau qui avait fait l'objet d'une étude par un expatrié qui voulait installer un groupe électronique, qui voulait faire produire le lycée, la chute de papa en Juba. Moi j'y étais, j'ai vu. L'auteur restait toujours là-bas, mais il y a des années, je ne sais pas comment ils font pour encore réaliser ce que. Nous avons aussi des sites touristiques qui marquent aussi l'histoire de Bamidjou. C'est le couteau de Tate. Le Tate me dit un couteau de trois personnes. Tate. Là, nous avons le chef Bamika, le chef Bamoukou, le chef Ansoa et le chef Bamidjou. Ces trois couteaux représentent donc les trois chefs. Et c'est des couteaux qui ne sont pas brûlés. Il y a évidemment, d'après ce que les gens racontent, chaque fois qu'on a traversé pour aller au marché en soi, et disait non, on parle de ces petits marchés, c'est que nous traversons comme ça.
Et la légende raconte que juste aujourd'hui, on n'a jamais vu le corps de cette femme. Parce qu'elle avait simplifié une volonté. Je dis, c'est des couteaux qui sont là. Il y avait deux qui étaient pour traverser le couteau. C'est toute une histoire. Donc, les visiteurs avaient même aussi quand ça veut dire le jugement divin par ces trois couteaux. Les deux sont bien deux qui sont ces couteaux. Après, par sa maman, puis après le transport pour aller à Douala, rester chez son oncle. Au même moment qu'on fait le jugement, la voiture fait l'accident dans la mairie et le gars perd sa vie. Les deux autres, après avoir demandé pardon, il y avait un qui était sans boulot, il a trouvé son travail à Boufoukouafoussan, à la brasserie. Il y a un autre qui a trouvé aussi son travail à la société qui fabrique les salons, soit à Boufoukouafoussan. Et les deux prostituées, ils ont témoigné et ils témoignent encore aujourd'hui des maîtres de ce couteau. Donc on ne simplifie jamais un couteau. Vous pouvez trouver un écho aux gens qui peuvent aller sur place pour leur expliquer cette histoire. Comme si de visite aussi, nous avons la pacification. Mais je vous remercie de fond du cœur pour votre aimable attention. Merci.